Bonjour à tous. Je voulais, en ce 1er janvier, donc nouveau jour qui porte l'espoir pour une nouvelle année meilleure et plus belle, je voulais vous faire cette vidéo qui peut être une forme de méditation pour créer l'abondance, créer l'espoir que vous pourrez réécouter à chaque fois que vous en aurez besoin pour attirer la pensée positive et donc créer ce phénomène si particulier qu'est la loi de l'attraction. Tous les scarabées sont ici présents, le fameux Babar Ganesh qui est le créateur et l'espoir et la mise en place des souhaits. Je vous souhaite une très très jolie année 2023. Je voulais vraiment vous remercier pour votre présence, pour votre bienveillance, pour cette communauté vraiment de connexion que nous avons ensemble. Et puis vous faire profiter de cette histoire des quatre bougies qui crée vraiment la pensée positive et qui crée vraiment la loi de l'attraction à faire en méditation pour ceux qui le veulent. Allonger gentiment, prendre 1 minute, 2 minutes, 3 minutes pour vous poser et construire votre avenir. Je vous souhaite vraiment, vraiment de très jolies choses. Donc voilà l'histoire des quatre bougies. Donc, 4 bougies brûlées lentement. On pouvait entendre le flottement des flammes, le bruissellement des flammes. La première dit: je suis la paix, mais personne n'arrive à me maintenir allumée. La flamme s'éteint. La seconde dit: je suis la foi, mais il paraîtrait que je ne suis plus indispensable. La troisième bougie se manifeste à son tour et dit: je suis l'amour, mais je n'ai plus la force de rester allumée. Le silence, la solitude, tout ça m'empêche de brûler. Alors la quatrième bougie dit, mais pourquoi avez-vous cessé de brûler? Restez donc allumé. Alors la quatrième bougie qui restait allumée murmura: nous pouvons rester allumés parce que je suis l'espérance et que l'espoir, c'est le champ des possibles. Je vous souhaite une meilleure année 2023 que ne l'a été 2022. Et je vous souhaite un beau chemin de lumière. Sachez qu'à chaque étape, à chaque temps, à chaque cycle, les choses évoluent. Mais la lumière reste allumée. Prenez soin de vous. Namasté.